Hello les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre carrière MotoGP. On est au Grand Prix du Japon. Va falloir se ressaisir. Aragon, c'était merdique. 24e, 0 points marqués. Ayugura non plus. C'est la bonne nouvelle d'Aragon, on va dire. Quoi. Là, on entame la tournée outre-mer. Donc, Japon, Thaïlande, Australie, Malaisie. Ça devrait être cool, normalement. Je pense qu'en vrai, ça devrait être cool. Va falloir prendre un peu de points. Histoire de se mettre bien, Canet est vraiment loin, 65 points en 5 courses, ça me paraît quasi impossible, mais mathématiquement il est encore dans la course. Après, si on pouvait reprendre genre 30-35 points d'avance sur Ogura, ça serait pas mal quand même. Ça serait pas mal. Le Japon que j'adore, le Japon un de mes circuits prep, donc j'espère que ça va bien se passer. On a eu un nouveau développement moteur en plus, putain c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc si en plus de ça la moto s'améliore un poil, ça peut aider. Il fait beau, ce qui n'est pas tout le temps le cas au Japon, donc let's go qualif. Bon bah on est parti, mais je vais pas vous mentir que c'est un peu la crise là. On a fait deux runs avant ça. La run d'avant c'était pas si mauvais, je pense que j'avais une 50 comme le chrono de Rodrigo. Oh mais les wheelings j'en peux plus. Mais on manque de rythme, et surtout beaucoup de boulettes. J'ai claqué les pneus soft. Dès la Q1. Non, non, je sais pas. Là, on n'a pas le choix. Il y a un titre à jouer. C'est pas le moment de se planter en qualif. Hein. Clairement, pas le moment de se planter en qualif. Donc, oh, c'était. Je freine trop tôt. Ici, je freine beaucoup trop tôt. Ok, si tu passes le rapport tôt, on va dire que t'as pas le problème d'anti-wheeling. En tout cas, bah, ça fait un espèce d'anti-wheeling, justement. Ok, oh ça c'est propre par contre. Ah, faut quand même décoller hein, il est passé tôt mais bon. Là on est en avance sur le premier secteur. Le pneu soft, je crois qu'il est en train de me carry. Oh, 5 dixièmes. Je peux vous mentir, c'est largement le meilleur tour qu'on est en train de faire là. Depuis le début, on n'a jamais fait un tour comme ça. Hein. On n'a jamais fait un tour comme ça. Il n'y avait que des boulettes. Oh bah tiens, fallait que j'en parle. Ah oh, si, je vais utiliser le flashback maintenant. C'était nul. Ah oh, c'était vraiment nul. Je suis arrivé trop fort sur le freinage. On rattrapait Zakone, mais... Non, là c'était mauvais. C'était mauvais, c'était mauvais. Je prenais plus tôt que ça. Voilà, nickel. Ça reste dans la lignée du tour comme ça. Oh l'anti-wheeling, une seconde d'avance. Anti-wheeling inexistant, ça me tend. Hein. Oh non, 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 non. Ah c'est fini les potes. C'était ma seule tentative. J'ai pas l'essence pour en refaire une. Ou alors faut que je la fasse en power 1. Mais en power 1 je peux pas faire de chrono. On va tenter. Si vous la voyez pas sur la vidéo, cette tentative c'est que c'était très loin de passer quoi. Regardons le classement final de la première séance de qualification. Bah j'ai pas de commentaires à faire je crois. Hein. Le nom des 4 pilotes. Vous l'avez pas vu cette tentative justement. Première ligne droite, j'ai pris 4 dixièmes. Première ligne droite, j'ai pris 4 dixièmes, ça servait à rien. Alors honnêtement, je mettais une seconde, j'allais rouler en 49. Hein. J'allais rouler en 49. On part bon dernier. Ah là, c'est du vrai last to first là qu'on va essayer de faire. Hein. On part bon dernier. Et on sait à quel point quand on est avec les IA, c'est une catastrophe. Bonjour du pays du soleil levant. Nous sommes ah, comment relancer un peu le championnat là? Eh ben, ce serait pas Ayugura à domicile qui est en tête quoi. Je crois bien. Je crois bien. Et je crois bien que je vais partir en soft. J'étais clairement plus à l'aise avec. Non, c'est dommage parce qu'en vrai. En vrai, de vrai, on était très 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 rapide quoi. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Mais j'avais largement une 49. J'avais largement une 49. C'était plus rapide que la pole d'Ayugura. Allez les potes, c'est pas fini, on peut come back. Un bon départ et ça peut le faire. Et boum!
Oh, je suis encore en power 1. J'ai pris un départ en power 1. Oh, gros chute devant. Beaucoup de chutes. Oh, j'ai tapé Farmin qui était à l'arrêt. Oh là là, il y a du contact de tous les côtés. Je suis debout, je suis debout. Ah ouais, c'est... Oh, il y a du contact, mais je peux... c'est un peu my bad, mais bon. J'essaye de remonter en vrai. Allez, peut-être dixième. Non, 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 non. Oh là là. Je vais attaquer. Allez, ça passe. Et Rodrigo, c'est passé. Mais j'accélère pas, c'est incroyable. Oh, non, je vais pas aller sur Vietti, mais c'est une place de gratter. Let's go. Allez. Oh, mais Rodrigo. Oh, l'enfer sur terre, le type. Oh là là, les IA. Hein. Allez, pas d'erreur ici, cette fois, ça serait pas mal. Et on double Vietti, let's go. 9ème. C'est pas encore fait. D'ailleurs, Vietti, c'est pas passé, du coup. Oh, ça bouge. Ah, c'est incroyable. Dès que je suis pas en power 3, je me fais larguer par tout le monde. Ok, allez, focus. Faut juste prendre notre rythme. On sait qu'on a plus de rythme. Faut juste le choper. Allez, Vietti, on s'en débarrasse maintenant. Il y a un championnat à jouer, hein. C'est Yugora qui est en tête, c'est Yugora qui est en train de partir devant. J'ai voulu mettre le power 3, ça m'a fait relever la moto. Allez, la course est encore longue. Hop, Acosta d'Axel. Let's go. 8ème. Partez dernier, hein. Bobin Schneider. Bobin Schneider, Bobin Schneider. Je vais mettre le power 3 pour l'Axel là, dans la ligne droite, clairement. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire les freins sur les deux, je vous le dis. Voilà, nickel. Allez, sixième. Non, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Oh, je suis rentré comme un bourrin. Non, le wheeling. Je suis tendu. Je suis giga tendu. Freinage de fou furieux. Je suis à combien d'Ayogora? 2 secondes 6. Vous pensez qu'on peut revenir ou pas? 2 secondes 6. Oh non, non, non. J'ai pris le vibreur. C'est pas grave. Un flashback en moi, c'était le premier. C'était le premier. 2 secondes 7, pour le moment on revient pas. Mais restons focus. Ouais, c'est dès que je suis pas en power 3, c'est la galère. Ah, j'essaye de modifier mon power et tout en plein virage, c'est vraiment une idée de merde. Hein. Agressif là.
Je suis clairement beaucoup trop agressif. Et ça aide pas mon pneu à rien. Deux secondes 8. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais tomber. Oh, je tombe pas! Ouh, miracle! Je perds du temps. Je perds malheureusement du temps. Ah, oh, j'ai le pneu arrière qui est mort de chez mort. Ça va être chaud d'aller faire mieux que 6ème, j'ai l'impression, malheureusement. Après, on n'a même pas fait la mi-course en vrai. Faut juste que je fasse moins de frein moteur, moins de frein arrière surtout. Ce qui fait glisser ma moto et surchauffer mon pneu arrière là depuis tout à l'heure. Allez, go chercher Marcel là. 3 secondes 3. Oh la boulette. Je voulais voir ce qui allait se passer, j'ai fait tomber Navarro. Trop large. Le problème c'est que là j'ai plus droit à l'erreur. Sinon on se retrouve avec 2 points d'avance au championnat. Ça commence à être merdique, hein. Allez, focus comme jamais. C'est la fin de la saison, c'est pas le moment de se planter quoi. Mine de rien, on limite bien la casse, hein. Mais bon, c'était tellement une course, on pouvait gagner. Oh, il va pas falloir que je tombe, quoi. Oh là 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 là, j'ai plus de pneus. Le soft avant, c'était pas mal, le soft arrière. Je suis en souffrance, là. Ah, même à l'avant, ça surchauffe vite, hein. Dès que je prends un peu d'angle sur les freins, j'aurais peut-être dû tenter le médium. Mais bon, en partant loin, je voulais tenter un coup, quoi. Oh, je vais pas tenir. Hein. Sauver le maximum de points. Clairement, faut sauver le maximum de points. 3 secondes 8 maintenant. Adugora, on le reverra clairement jamais. Si je peux revoir les points de Schroeter par contre, ça serait pas mal. Le moindre point compte là. Hein. Oh, le moindre point. La même que Pecco. La même que Pecco. Oh non! Bah c'est foutu. Ah mais j'ai plus de pneus. Le choix du soft. Le choix du soft. Ah, ça fait 2 courses contre Choc là. Ouais, bon, là j'ai. my bad. Sur celle-là, bah tant pis, de toute façon. Honnêtement, j'aurais rien été chercher. C'est plus roulable, mais soft. C'est plus roulable, j'ai le seum. Je suis dégoûté. C'est my bad, hein. C'est clairement my bad. Revenons sur le classement final de cette course moto. C'est une course que je peux gagner 20 fois. 20 fois, je peux la gagner. Je roule plus vite que. Juste le problème, c'est que je pars trop loin. Du coup, je prends des pneus trop tendres. Parce que je rate ma qualif, quoi. Ah, c'est la merde. C'est la merde. Je suis 2 dixièmes. Bah, 2 points, 2 dixièmes. Qu'est-ce que je raconte? 2 points. Ah, mais Fernandez, ça revient à moins de 2 courses. Hein. Oh, c'est horrible. Horrible ce qui m'arrive. Mercedes qui perd la première place. Ah, là, il n'y a rien qui va là. Ah, bah là, ouais, moins de 17 000. En plus, je perds en réputation et je pense que je perds même. Si on va regarder vite fait, je pense que je perds même en offre. Vous savez que ça sert à rien. Je sais pas pourquoi je les mets là. Vous savez quoi, on va la mettre dans la recherche de points ici. Production de données. En fait là ça sert à rien parce que c'est soit l'un soit l'autre. Donc autant envoyer tous les gens En fait j'aimerais bien les envoyer mais je sais pas comment on fait. Ajouter du personnel, voilà c'est ça.
Hop, hop, hop. Allez dans le moteur. Ça fera le taf. Voilà. Comme ça produit partout. Ça se terminera jamais, de toute façon. À la limite, si on était intelligent aussi, on enverrait ceux de l'électronique parce que 17 semaines. Ouais, vous savez quoi? Ça sert à rien de continuer ça. Ça sert à rien. On va les envoyer sur le moteur aussi. Ah, mais c'est l'inverse. C'est pas ça qu'il faut faire. Je me perds dans les menus. Ils sont pas clairs, leurs menus là. Non, en vrai, ça va. C'est juste moi qui fais de la merde. Hop! On produit des points comme ça. S'il y avait un truc. Non, je veux pas lancer la Thaïlande. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Il y avait un truc que je voulais voir. C'était rechercher des contrats. Ouais, c'était ça. Ah, et du coup, je peux de nouveau plus négocier avec tout ça. On l'a perdu. On l'a perdu avec la perte de réputation depuis 2-3 courses, là. Dommage. Dommage, dommage. On a eu une bonne série. Et là, depuis, c'est la misère. Ça fait franchement sur 4 courses, c'est 3 résultats blancs là. On se croit fin saison de Fabio là, je suis en train de faire la même. Je suis en train de faire la même. Oh la vache. Bon bah écoutez les potes. On relance le championnat, c'est pour le suspense jusqu'au bout, mais 2 points d'avance sur Ugura, ça commence à faire chier. Ça commence à faire vraiment chier. La Thaïlande va falloir absolument gagner, là j'ai plus le choix. Hein. J'ai plus le choix. Bah écoutez, sur ce, moi les potes, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.